Bienvenue sur viendposer.com. Salut à tous, moi c'est Rico Adico Kerridge, guitariste de Hound Dogs. My name is Eric Schrezadelic Romer, saxophones, vocals. Bonjour, moi c'est Gilles, c'est Freak, je joue la trompette, je chante, je compose aussi dans les Hound Dogs. Pour les gens qui vous connaissent pas, quel titre vous feriez découvrir en premier, celui qui vous symbolise le plus? Ça c'est une bonne question. Le titre qui nous symbolise le plus, Moving On. Moving On. Hein, avec Breeze, Ty, Pida. Okay. Voilà, je dirais que c'est un mix hip-hop, soul qui nous correspond bien. Et d'ailleurs, on va vous jouer un petit extrait. Ready? Allez. Are you sure ready? 1, 2. No, I say I can't win. This is a tough old world, very demanding. Beneath the blue sky, nothing is guaranteed. We touch a fucking street, track up a bunch of need. Doesn't matter even if the speed is set to be. Just as long as progress. Moving on. The heartbreak, and the love lust, and the heartache. Moving on. The distrust, and the bad luck, there's nothing to discuss. Moving on. Keep your heads high, and your mind focused on the big prize. Worry about clowns trying to hold you down. We can work it out. Devil came, write your name on the walls of pain. Trouble might come to see. Yeah, sing it, brother. But I'm asking you not to listen, 'cause life is just what it dreams. Alors en anglais, c'est un mec en chaleur un peu. Ah, ok. C'est horny. C'est l'argot. Ouais. Horny. Un mec un peu en chaleur. D'accord. Ouais. D'où le tête des chiens. Ouais. Mais voilà, il y a aussi le jeu de mots dedans avec horny, les dogs. Donc c'est, ok. Ça fait un peu deux. Ouais. Double sens. Ouais. Double sens. Exactement. Okay. Voir triple sens. Pour les pervers. Voilà. Many a hell can't pay by attractive invisible forces that stay active. Revenge is what nations react with. Love and freedom is what I react with. Always hold on to hope with a tight grip from a tight fist held up like this. 'Cause you can be a winner even when you're losing. Let's get it together. Keep on moving. On se connaît tous depuis... Depuis longtemps. Depuis une dizaine d'années, peut-être plus, ouais. Une vingtaine d'années, voilà. On avait fait de la musique ensemble. On était ensemble dans Malka Family. On s'est d'abord croisé Gilles et moi. Et ensuite, on a croisé Eric pendant nos tournées. Et depuis, on a toujours joué ensemble. C'est un mix de toutes les musiques noires américaines. D'accord. Jazz, funk, soul, hip-hop. Whatever goes down in your life. Keep moving on, brother. You can work it out, work it out. Beaucoup du hip-hop peuvent s'y retrouver, comme des gens qui écoutent des choses plus instrumentales ou de la scène. C'est des étiquettes qui sont un peu marchandes, mais finalement délimiter la frontière entre un truc qui soit purement hip-hop, un truc qui soit purement soul, un truc qui soit, enfin, c'est ça. Pour nous, c'est pas cette direction. Ouais, mais ça s'entend tout de suite, effectivement, qu'il y a plein de mélanges de plein de choses. Nous trois, sur tous les morceaux qui sont présents. Voilà, là, on a composé les titres ensemble. Après, effectivement, en fonction des titres, des gens qu'on a invités
Mm-hmm. Des fois, des gens qui sont à Houston ou je sais pas où, forcément, quand on fait des concerts, on n'a pas les moyens de les faire venir. Mm-hmm. Donc on s'adapte. Spécialement pour vous, pour vienposer.com. Here we go. Are you ready? God. Radio station Horn Dogs, yo, how you doing? Oh, Horn Dog TV. TV. Check this out, there's some new shit, new footage. For our dog community. We're making international movements. We're making international movements. We're making international movements. Paris, London, China. We're making international movements. We're making international movements, y'all. Shanghai, are you out there? Comment vous allez défendre sur scène cet album? Là, on a une formule, une nouvelle formule en ce moment qui est clavier, batterie et nous trois. Sachant que le clavier fait les claviers et la basse en même temps. Donc ça donne un petit côté moderne. We gotta make sure that we do shit till it hurts. We gotta make sure that we do shit till it hurts. We're gonna be good to your ear hole. Paris, we gotta make sure that we do shit till it hurts. We got to make sure that we do shit till it hurts. We gotta make sure that we do shit till it hurts. But we'll be good to your ear hole. Ça a mis pas mal de temps, on a commencé par composer les titres ensemble. Au début, sans vraiment savoir où on allait, on avait envie de faire un projet axé sur les cuivres. Donc moi je commençais à faire des instrus, il posait des idées de cuivre, etc. Et à force de le faire, on s'est dit tiens, ça serait pas mal un rappeur sur ce tel morceau. Après ça s'est fait des connexions, Eric qui connaissait Ty et Bruce et qui sont à Londres. On les a appelés, on leur a envoyé l'instru, ça les a branchés, etc. Straight to Charlotte, go Paris, Paris. So here I go. Beat rock state in my mind is like a levee. A bit overflown, but still being afraid. Move out of night tale, cause the city do tell a different story that we all know too well. Ménage à trois, oh yeah, say something. Moi, I don't know, but hush, bon, stop. I've been walking down the ground, get things to iron with. And after that, best believe we parlay black. Over tea punch, anytime after brunch. We in Paris, and we like getting crunk. There goes another one, and we crack the finger front. On the ground like the horn dog got the run. And if you catch this, you can dismiss kids. Who's he gonna miss? What the fit is with? We go. Perpétuelle composition, je dirais. On avait déjà sorti un EP en vinyle. On va peut-être en ressortir un où il y aurait pas mal de remix de l'album. Volume 2. Le Dog Food Volume 2. Let me get some double up clapping, y'all. Put your drinks down. I know you're smoking and shit. Throw that away too. You better cook it up some horn dogs. Ain't that food, y'all. In the audience, here we go! Et puis après, ma foi. J'ai la suite. Alors il y a plusieurs options se posent. Il y avait l'idée d'éventuellement de refaire un album où le featuring serait sur la longueur de l'album, c'est-à-dire faire un album avec une vraie collaboration avec un rappeur. Plus facile à défendre. Donc il serait vraiment un truc Horn Dogs plus un tel. Éventuellement, on a plusieurs pistes. D'accord.
donc qui soit peut-être un peu moins éclaté en termes de gravité, mais on sait pas ce qui va arriver. We don't know it. Dog music in the house. Shake it out, shake it out. Let's go. Extra, 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 extra. We know about it.